Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les derniers achats que j'ai fait. Donc j'ai fait quelques petits achats, notamment sur Asos. Il y aura également une paire. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et comme ça m'a été demandé plusieurs fois, je vous mettrai à chaque fois une petite vidéo à côté de l'outfit porte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande à chaque fois de mettre l'outfit pour voir ce que ça donne porté. Si vous voulez la ref des outfits, tout sera en description. Voilà, je vous mettrai tous les liens. On va regarder ça ensemble. Et sur ce, on y va. Pour commencer, j'ai acheté sur Asos ce petit t-shirt oversize, donc avec marqué dessus Super Days. Et la couleur, c'est un bleu assez pétant, assez flashy, qui est, je trouve, magnifique. Bon, là, je l'ai pas repassé, hein. Faites pas gaffe à ça, on s'en fiche. Hein. Mais voilà, il n'y a pas énormément de détails. Voilà, il y a juste marqué Super Days avec une matière un peu plastique. C'est assez spécial, mais en fait, ça dérange pas tant que ça quand tu le portes. Super Days, donc franchement, il est super cool. Derrière, il n'y a rien du tout. Donc franchement, moi, le t-shirt, personnellement, je le trouve très cool. Donc c'est un Asos Design. Asos Design, à chaque fois, ils font de sacrés sapes. Ils ont toujours de beaux items et c'est pas très cher. Voilà. Voilà, c'est vraiment l'avantage d'Asos Design. Alors après, au niveau de la qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas dégueu non plus. Je trouve que pour le prix, on s'en sort pas trop mal. Donc voilà, je vous montrerai ce que ça donne porté. Voilà, je vais vous mettre ici une petite vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je trouve qu'il est juste magnifique. Voilà, alors moi, je l'ai pris en taille S. D'habitude pour les tee etc, je fais toujours du M. Mais quand c'est oversize, je sais qu'il faut que je prenne une taille en dessous, parce que sinon c'est beaucoup trop. Ça fait genre le truc, je m'envole. Donc là, S, c'est parfait, ça fait oversize quand même. Mais c'est pas démesuré quoi, c'est pas le genre le truc, je suis comme as et je ressemble à rien dedans. Non, là c'est un petit peu plus sympa quand même avec le S. Donc voilà, franchement hyper cool, pas très cher. Il coûte 14,99€, donc c'est pas excessif. Et en fait il fait partie d'un ensemble, et je vais vous montrer le reste du coup. Et il va avec ce short, voilà, qui est exactement de la même couleur, avec marqué également Super Day. Sauf que là c'est écrit en textile, voilà, c'est pas un truc de ouf ou autre, hein. C'est même un imprimé, je pense, hein. C'est un petit imprimé, mais voilà, hyper cool, pas énormément de détails. Voilà, une petite poche à l'arrière, ça par contre c'est cool sur les shorts, d'avoir une petite poche à l'arrière, j'avoue, parce que les poches à l'avant, moi je m'en sers pas souvent sur les shorts parce que ça fait des formes bizarres, et une petite poche derrière, c'est pas trop mal, voilà. Donc notamment si tu veux aller en festoche et tout, c'est sympa. Donc voilà, le short qui va avec, donc je vous montre, hein, comme ça vous allez voir que c'est parfaitement pareil. Voilà, la même couleur, et je trouve que l'ensemble est super beau. Je trouve qu'en fait pour l'été il va y avoir pas mal de petits trucs sympas avec les ensembles, notamment short t-shirt de la même couleur. Je sais qu'il y en a d'autres sur Asos qui sont très très beaux, sur lesquels je porte mon dévolu, mais il y a plus de taille, donc j'attends un petit peu que ça arrive. Mais ouais, les ensembles comme ça, même avec une petite chemise et tout ça, c'est super beau, je trouve. Même avec un beau pantalon un peu léger, une belle chemise de la même couleur, c'est, je trouve, super sympa. Je maxe vraiment beaucoup sur les ensembles parce que je trouve ça très cool. Donc là, on a le t-shirt qui est à 14,99€, celui-là, le short, est à 24,99€. Donc voilà, on en a pour pas trop cher pour l'ensemble, je trouve ça va, c'est raisonnable. Je trouve que c'est très beau, bleu comme ça, et ça passe super bien, notamment avec la Jordan UNC. Attendez, même si c'est pas exactement la même couleur, j'ai essayé l'ensemble, franchement ça passe super bien ensemble. Donc voilà, là je suis en train de regarder aussi un petit peu s'il n'y a pas des shorts d'exactement la même couleur que cette paire pour que je puisse la porter cet été. Mais je trouve que même l'ensemble, franchement, il choque pas tant que ça. Même si c'est pas exactement la même couleur, ça peut faire un petit camaïeu de bleu. Ensuite, et comme c'est l'été et que l'été il y a du soleil, j'ai acheté une petite paire de lunettes. On va dire c'est une petite paire de lunettes, on va dire un petit peu pour flex. C'est pas une paire de lunettes que je mettrais quand il y aura grand soleil, parce qu'à mon avis ça protège pas de ouf. Donc voilà, c'est une petite paire de lunettes comme ça. Voilà, donc avec tout simplement des branches qui sont argentées, très sympa. Elles sont pas rectangulaires, c'est angulaire, je crois exactement le terme. Elles ont coûté 14,99€, donc voilà, vraiment pas très cher non plus. Donc elles protègent du soleil, après c'est pas une dinguerie non plus, c'est juste un petit truc pour flex. Voilà, quand il y a pas trop de soleil, y a un peu de nuages, tout ça, hop, tu mets ça comme as, et là, t'es un beau gosse de la street. Bon là, j'avoue, je ressens pas à grand chose comme ça. Là, on dirait plutôt un mec qui fait du ski, mais en vrai, ça se porte un peu comme ça, tu vois. Hop, hey, what's your name? Pour le prix, je me suis dit, vas-y, je vais tester. J'ai jamais testé ce genre de lunettes un petit peu loufoque, voilà, un petit peu original. Et je trouve que ça passe pas trop mal. Voilà, donc c'est un petit truc à ajouter dans ta tenue, ça peut te démarquer également, et ça peut être assez sympathique. Ensuite, et ça, franchement, cette pièce-là, j'en suis extrêmement content. Voilà, déjà pour le prix, c'est pas très cher, mais en plus pour la qualité, pour le vêtement et comment il taille, c'est une pure folie. Donc il s'agit de ce pantalon, voilà, de la marque Collusion. Donc voilà, il n'a pas énormément de détails ou autre, hein. Il est juste beige, et voilà, il est coupe droite. Voilà, vous allez voir comme ça, voilà, c'est un coupe droite assez large, mais qui est pas non plus archi large, hein. C'est pas un baggy. Et on a un petit détail que je suis en train de chercher, on le voit tellement peu qu'au final, voilà. Et en fait, on a un petit détail ici, Collusion, mais regardez, ça se voit à peine. Moi, je trouve pas ça très dérangeant, il est juste là sur le côté, donc c'est pas hyper dérangeant. Au niveau du sizing, moi j'ai pris du S, parce qu'il taille assez large quand même. Donc voilà, si en général vous faites du M sur les pantalons ou autre, peut-être prenez une taille en dessous. De toute façon, il y a tous les guides détails sur Asos, donc ça c'est cool. Le pantalon a coûté 34,99€. Donc franchement, ça va, hein. C'est pas super cher pour un pantalon, je trouve. Et ça, pour l'été, ça
Ça, c'est parfait. C'est genre magnifique. Donc voilà, pareil, je vais vous mettre un petit peu ce que ça donne porté. Mais moi, je le trouve hyper, hyper beau. Je mets ça avec n'importe quelle paire, en fait, et ça passe super bien. Comme, voilà, ça recouvre assez bien. Je trouve que ça tombe parfaitement et c'est hyper léger. Donc tu mets ça l'été, même quand il fait un peu chaud, etc. Ça passe hyper bien. Le mieux, c'est peut-être pour le soir. Voilà, les soirs d'été, etc. C'est vraiment le type de pantalon que moi, je recherchais. Comme j'aime pas trop le lin, bah voilà, je voulais pas acheter de pantalon en lin ou autre parce que ça se froisse hyper rapidement et j'aime pas trop la matière. Et ça, c'est ce qui s'en rapprochait entre guillemets le plus. Donc voilà, c'est clairement un pantalon de printemps-été, hein. Ça tu ne mets pas l'hiver, sinon tu vas craquer. Voilà, si vous le recherchez la ref, de toute façon je vous mettrai tout en description. Et voilà, je le trouve magnifique. Et ensuite, pour terminer, je vous l'avais déjà présenté, mais comme voilà, la vidéo, mes derniers achats, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai acheté dernièrement. Je vous la montre rapidement. Il s'agit de la paire de Off-White Out of Office. Donc moi j'avais pris le colorway Light Blue. Donc là on peut voir quand même, hein, malgré le temps, on peut faire une petite mise à jour, mais je l'ai porté facilement une dizaine de fois en fait. Je fais que de porter cette paire depuis je sais pas combien de temps. Et regardez, franchement, le creasing, sérieux, franchement le creasing ça va. Vous voyez, franchement je suis pas choqué non plus, tu vois, le cuir il vit, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de traces d'usure, etc. Mais on regarde sur l'ensemble de la paire, franchement, c'est dans un super état. Et la paire, je l'ai portée franchement beaucoup beaucoup de fois, hein. Voilà, on peut voir un petit peu qu'il y a des traces de creasing, etc. Mais c'est pas violent, quoi. C'est pas sur une dunk ou autre. La dunk, tu la portes 2-3 fois, ça y est, t'as ton creasing qui est fait à vie. Là, franchement, il n'y a pas trop de creasing, quoi. Même sur la toe box, on peut regarder. C'est quand même pas vénère. Donc franchement, ça c'est un super bon point par rapport à cette paire qui sert, coûte assez cher. Mais par contre, en termes de qualité, moi j'ai rien à redire. Voilà, on n'a pas de traces de colle, on n'a pas de finition dégueu, on n'a pas de fil qui dépasse. Et le creasing n'est pas violent. Donc moi j'en suis vraiment très content. C'est une paire dans laquelle on est assez confortable. Je vous le répète, mais si jamais vous voulez comme cette paire, prenez une taille en dessous. Si vous faites du 44, vous achetez en 43. Si vous faites du 43, vous achetez en 42, etc., etc. Moi c'est ce que j'ai fait. Voilà, parce que c'est des tailles italiennes. Donc ça taille un peu plus grand. Donc prenez une taille en dessous et ce sera parfait. Donc voilà, ce petit achat qui est super, j'en suis vraiment ravi. Certes, 400 euros pour une paire, c'est cher, mais voilà, elle m'a fait de l'œil depuis un moment, je la kiffais et je voulais me l'acheter, donc voilà, j'ai fait en sorte de pouvoir me la prendre et je trouve que c'est malgré tout le plus beau colorway de ce modèle chez Off-White, voilà, le colorway Light Blue qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Si t'as kiffé la vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je te mets également mon compte Instagram ici, voilà, c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas où je suis le plus actif. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en DM, je mets peut-être des fois un peu de temps à répondre, mais je réponds toujours à tout le monde. Voilà, donc sur ce, la vidéo se termine et on se retrouve mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Peace !